Bon après-midi tout le monde. Merci d'être là avec nous. Thank you for joining us today. It's great to be back in Sudbury. We just wrapped up an incredibly productive discussion here at Sudbury City Hall. I'm happy to have been joined by the Mayor, Provincial Representative Glenn Thibault, Federal Representatives Paul Lefebvre, Anthony Rota, and Marc Serré, along with the Council behind us. We engaged in a robust discussion on the needs facing the people of Sudbury. Avant d'aller dans les détails de ce que nous avons accompli aujourd'hui, je veux revenir un petit peu sur ce que les rencontres comme celles-ci veulent dire et pourquoi elles sont importantes. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, notre nouveau gouvernement fédéral a été élu après avoir promis aux Canadiens du vrai changement à la fois dans ce que nous faisons et dans comment nous le faisons. Les Canadiens s'attendent à ce que leurs représentants de tous les ordres du gouvernement collaborent pour faire ce qu'il y a à faire. C'est vrai au fédéral, au provincial et au municipal. Les gens s'attendent à ce qu'ils travaillent ensemble pour obtenir les résultats que les communautés méritent. Mon gouvernement prend ce partenariat au sérieux, pas seulement parce que c'est une attente à notre égard, mais parce que c'est le meilleur moyen de bien servir nos citoyens. Good decisions are born from communication and collaboration. And today's discussion here in Sudbury is a great example of just that. In our first federal budget, released just a few weeks ago, my government outlined $120 billion in infrastructure investment over the next 10 years. This funding will help to create good jobs, better our communities, and grow the middle class. So after discussion with representatives in Sudbury today, I am pleased to announce that the Government of Canada will invest $26.7 million in the Sudbury-Mailey Drive Extension Project. In partnership with the Government of Ontario and the City of Sudbury, this investment will fund the creation of a new, much-needed east-to-west arterial link through the city. This important initiative will reduce traffic congestion, improve commuter safety, and get people home on time, and take ore trucks off LaSalle. My government is proud to invest in Sudbury and the people that call it home. By working together, we can and will build a better future for the middle class and those working hard to join it. Thank you once again for being here this afternoon. My friend Marc Serré from Nickel Belt is going to say a few concluding remarks, and then I'll be back at the podium to take questions from media. Merci beaucoup.